Ça se veut un spectacle sur une base médiévale, avec des airs du Moyen-Âge, donc du XIVe siècle, du XIIIe siècle. Mais ce n'est pas que ça. C'est un spectacle parce qu'on essaie d'inviter le public à venir sur le plateau jouer avec la chanteuse et le percussionniste. La musique 14e, donc qu'on appelle l'ars nova, pluriel, avec des moments poétiques qui parlent d'amour courtois, des moments en occitan, en moyen français, et des moments plus punchy, comme des recettes de cuisine ou des contes. Simplement au public de jouer avec ces objets. Donc c'est à la fois un dispositif de musique assistée par ordinateur et aussi un dispositif de médiation, c'est-à-dire quelque part des gens du public ont le droit de jouer avec nous. Pour cela, ils ont un certain nombre d'objets qui sont tout simplement tagués, signés avec une sorte de code, et lors du déplacement de ces cubes sur l'échiquier, ça va produire des choses, des sons, des mouvements d'image. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine date du Dé la Rose.